Créer du lien. Bon, avant toute chose, si le concept des maisons bulles et des maisons enterrées vous intéresse, je vous invite à regarder dans la description, il y a un petit lien où vous accéderez à des vidéos privées. Alors, je commence cette petite vidéo, c'est juste une petite vidéo pour vous dire que on est en confinement. On est en confinement chez soi, là, on commence un petit peu à tourner en rond, à s'ennuyer. Alors, la télé, c'est bien, mais bon. Ça va qu'un temps, on sort un petit peu dehors, soit pour courir, soit pour faire le tour du pâté de maison, pour se dégourdir les pattes. Moi, je voudrais vous inviter à prendre votre téléphone et à appeler, prendre la liste des personnes par ordre alphabétique. Aujourd'hui, vendredi, bah tiens, je vais appeler les A. Dans les A, il y a Alain. Ah, Alain Martini, par exemple. Ça fait longtemps que je n'ai pas de ses nouvelles, tiens. C'est qui déjà? Ah oui, parce qu'il y a aussi il y a les gens que vous connaissez, la famille proche, elle, vous l'appelez. Il y a les amis proches, vous les appelez. Il y a aussi les amis, les connaissances. Alors moi, dans mon cas, j'en ai beaucoup, hein. J'ai des stagiaires, j'ai des maisons bulles, parce que moi, ils sont classifiés. Hein, maison bulle, par exemple, 12. Non, mais Maison Bulle 12, il n'y en a pas. Mais Maison Bulle 69, Christian Roux, par exemple. Christian et Hélène Roux. Bon, eux, je ne vais pas arriver à les avoir, parce qu'apparemment, ils ne sont plus à la maison. Mais, je sais pas, moi, Maison Bulle 38, Alain et Michel. Ça me ferait plaisir de les appeler. Maison Bulle 42, Antonio Bénincab. Antonio, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, mais il y a aussi Marc, hein, que j'aimerais bien appeler, qu'il faudrait que j'appelle. Et puis dans les stagiaires, ben, j'en ai plein. J'ai plein de stagiaires, je pourrais les appeler un par un pour dire salut, comment ça va, t'en es où, etc. Ils vont me poser des questions. Créer du lien, profitons-en pour créer du lien. Hein, appeler les gens, c'est ce que je disais à une amie il n'y a pas très longtemps, qui est habituée à avoir du monde et qui se retrouvait un petit peu perdue chez elle. Je lui ai dit, tu peux faire la même chose, ton boulot, tu peux le réinventer, c'est peut-être l'occasion de. C'est peut-être une opportunité. Comment te créer une opportunité par rapport à ce que tu vis? Donc, prends ton téléphone, appelle-les et fais une réunion Skype par exemple, ou un Zoom, et puis profites-en pour appeler des gens que tu n'as pas vu depuis longtemps. Profites-en pour appeler même des gens que avec t'as pas eu un feeling énorme, un feeling d'enfer. Appelle-les. Appelle-les juste, comment ça va et tout. C'est bon, le passé c'est le passé, on marche sur l'avenir. Voilà. Créer du lien parce que c'est peut-être ce qui va nous sauver aussi. C'est peut-être une leçon à tirer, c'est d'arrêter d'être sur les réseaux sociaux. N'y soyez pas trop. N'y soyez pas trop. Je sais, je publie, moi, pas mal. Ça me sert, mais il faut que ça vous serve pour le boulot, entre guillemets. Mais y passer trop longtemps, c'est n'importe quoi. Et puis surtout, ne regardez pas trop les infos, etc. Restez sur des choses positives. Et je pense qu'appeler, prendre son téléphone, appeler les personnes, c'est quelque chose de positif. Alors, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire que moi, quand quelqu'un m'appelle, j'ai beaucoup d'appels de personnes pour prendre des informations sur les maisons bulles, mais j'en ai aussi par rapport à l'immobilier, j'en avais par le passé par rapport aux Brasero, et moi je les classe. Par exemple, pour les Brasero, c'était client 04, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, client, et puis je notais à chaque fois, vous voyez, par exemple client 05, Bruno, je sais pas quoi, je notais vente poêle à bois. Par exemple, le mec qui vendait des poêles à bois. Comme ça, dans la discussion, quand d'abord, une fois, le mec vous appelle, vous lui demandez ces renseignements-là, vous les notez après, juste après, vous pouvez les noter sur un cahier, et juste après, vous enregistrez le numéro. Quand la personne vous rappelle une deuxième fois, et que vous lui dites Salut Bruno, là, à chaque fois, il y a un blanc. Chaque fois, il y a un blanc. J'avais conseillé ça à Julien et Fanny du food truck. D'ailleurs, ils sont ce soir à la Châtre, je crois. Je leur avais conseillé ça, ils m'avaient dit que c'est super, parce qu'en fait, il y a toujours un blanc, ouais. Et puis les gens sont super contents que vous vous rappeliez d'eux, quoi. Même si c'est pas tout à fait vrai, c'est une déformation. Vous allez dire que c'est un truc marketing commercial, oui. Oui, mais petit à petit, ça vous revient. Je veux dire, ça vous revient des éléments. Ah oui, et puis paf, ça vous fait tilt. Ah, au fait, ton fils, ça va, etc. Tu m'avais dit que, parce que vous vous souvenez d'un truc, ou parce que vous l'avez noté. L'écran, vous avez noté fisc bras cassé par exemple.
ton fils, son bras cassé, ça va mieux? Ah oui, ça va mieux. Puis paf, la conversation s'engage. Ça vous permet de créer du lien autre que les réseaux sociaux. Voilà, vous faites comme moi. Client, abonné du site. Qu'est-ce que j'ai? Stagiaire, j'ai Maison Bulle. À chaque fois, c'est stagiaire, par exemple, 06, 07, donc ça veut dire département, quoi. Puis après, bah, c'est son prénom, et quelques mots-clés. Profitez-en aujourd'hui pour prendre vos téléphones. Vous avez du temps, appelez-les. Appelez-les. La conversation va durer 5 minutes, 1 heure, peu importe. Appelez 3 personnes, c'est pas grave. Appelez-les. Ils vont vous rappeler. Vous allez recréer quelque chose. Et c'est à mon avis ce qui va être super important pour l'après-confinement, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était juste un petit truc comme ça. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez un commentaire, mettez-le moi en dessous. Un petit pouce bleu ou rouge, je ne sais plus. Et puis, si les maisons bulles, si le concept des maisons bulles et des maisons enterrées vous intéresse, je vous invite à vous inscrire sur le petit lien dans la description. Et à bientôt.